Alors, ce que je vous propose, moi, tout de suite, ça va être de discuter autour de l'équipement idéal pour partir en randonnée, que ce soit de la randonnée à la demi-journée, à la journée ou même de plusieurs jours, et notamment de l'équipement, en commençant par les chaussures, ensuite tous vos vêtements, et puis bien évidemment le sac à dos et l'équipement idéal du randonneur. Alors le premier équipement indispensable du randonneur, celui qu'il vous faudra impérativement pour partir en balade, c'est la chaussure. Dans le monde de la chaussure de randonnée, on va trouver trois grands modèles de chaussures de randonnée, soit celles que j'ai à mes pieds aujourd'hui, qu'on appelle des chaussures tige basse. Si vous regardez, elles ressemblent un peu à une basket, vous allez avoir la malléole qui est complètement libre. L'avantage de ces chaussures, alors comme la nôtre, là c'est une chaussure qui s'appelle la 365X Hiking, l'avantage de ces tiges basses, elles vont être extrêmement légères, extrêmement souples, voilà, dans le déroulé du pied, et aussi très confortables. Donc le gros avantage, c'est qu'on pourra être assez libre dans l'utilisation de la chaussure. Moi, c'est la chaussure que je vais utiliser quasiment 90% de mon temps de randonnée. Après, je vais changer de chaussure uniquement dans des applications précises, soit sur de la randonnée hivernale, soit lorsque je vais aller sur des terrains alpins. Mais voilà, c'est la chaussure la plus polyvalente. Ensuite, dans le monde de la chaussure de randonnée, vous allez pouvoir trouver des chaussures avec une tige un peu plus haute, qu'on va appeler mid. L'avantage de cette chaussure, ça va être d'envelopper votre malléole et donc d'avoir une chaussure qui est un petit peu plus rassurante, notamment pour les personnes qui sont fragiles au niveau des chevilles. Voilà, donc vous allez pouvoir vous prémunir des entorses. Et puis aussi, bien souvent, les chaussures en tige mid seront mieux renforcées, que ce soit au niveau du pare-pierre ou de la semelle. L'inconvénient principal, c'est qu'on va tout de suite perdre un peu en dynamisme et en confort de la chaussure et aussi en poids. La dernière chaussure que vous pouvez rencontrer, voilà, sont les chaussures qu'on appelle à tige haute. Vous voyez que la tige va remonter beaucoup plus haut sur la jambe. L'intérêt de cette chaussure, c'est d'avoir une chaussure qui est vraiment une chaussure pour les terrains qu'on dit alpins, avec beaucoup de pierres, des terrains engagés, du fort dénivelé. Également des chaussures très adaptées pour la randonnée en itinérance. Et puis bien souvent, ces chaussures à tige haute seront les chaussures cramponnables si vous allez sur des glaciers ou des zones de névé permanent. Voilà, vous pourrez ajouter un crampon léger sur votre chaussure à tige haute. Voilà pour les chaussures. Une fois que vous avez choisi vos chaussures, l'autre élément indispensable du randonneur, ça va être sa tenue. Chez Simalp, on va pouvoir vous proposer tout l'équipement pour partir en randonnée, que ce soit des chaussettes, aux pantalons, tous les vêtements, t-shirts, vestes, bonnets, gants, etc. Alors on va dire que les éléments indispensables de la tenue du randonneur, ça va être en premier lieu le pantalon. Alors chez nous, vous allez pouvoir trouver des pantalons hivernaux, des pantalons estivaux et des pantalons toute saison. Ça dépendra un petit peu les usages que vous avez. Moi, j'aime bien les pantalons polyvalents qu'on va pouvoir utiliser quasiment toute la saison. Aujourd'hui, je vous ai mis un pantalon qu'on appelle 2 en 1, qui est vraiment très pratique pour la randonnée. Tout simplement parce que vous allez pouvoir adapter votre pantalon aux conditions que vous allez pouvoir rencontrer soit dans une même journée, soit au fil d'une saison. Tac. Et passer directement du mode pantalon au mode short. Alors une fois qu'on a parlé des pantalons, la partie la plus importante de l'équipement, c'est ce qu'on va porter sur le haut du corps, puisque c'est là qu'on va avoir potentiellement le plus froid. Et je vais vous parler de la technique des 3 couches qu'on peut utiliser vraiment dans toutes les pratiques sportives de l'outdoor et notamment la randonnée. Alors pourquoi 3 couches ? Parce que tout simplement on va empiler et superposer 3 couches de vêtements qui auront chacun un rôle bien précis. Pour ça, je vais faire quitter mes vestes. Donc la première et la deuxième veste, pour arriver sur le vêtement qu'on appelle la première couche. Alors souvent, il est un petit peu délaissé, ce vêtement. On va choisir le premier t-shirt qui vient dans l'armoire, alors que ce serait plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est le vêtement qui, pour moi, est le plus important. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est celui qui est au contact de votre peau et qui va vous tenir chaud. C'est pour ça qu'on va choisir généralement un t-shirt qui est technique, qui est léger,
qui est respirant et puis qui apporte de la chaleur. Par exemple, moi aujourd'hui, je vous ai mis un t-shirt Mérinos à manches longues avec tout le confort qu'apporte la laine Mérinos et puis des manches longues, bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il fait un petit peu frais. C'est pour ça que je vais remettre tout de suite le vêtement qu'on appelle la deuxième couche. La deuxième couche, c'est le vêtement qui est thermique, c'est vraiment lui qui va vous apporter la chaleur et généralement en fonction de l'activité que vous allez pratiquer, on va le choisir plus ou moins chaud. Par exemple aujourd'hui moi j'ai une micro polaire, on pourrait prendre pourquoi pas une doudoune en duvet synthétique ou d'autres vêtements en fonction de l'activité qu'on va pratiquer. Là hop, donc moi j'enfile cette veste qui est la veste Joras chez nous, donc une micro polaire qui est vraiment sportive, qui est extrêmement respirante, légère et puis qui est aussi assez technique avec un cache-cou intégré, voilà, et puis sa capuche. Donc ça c'est la deuxième couche, donc couche thermique, et puis la dernière couche qu'on appelle la troisième couche, c'est votre vêtement imperméable. Donc là, si vous regardez, les coutures sont étanchéifiées. Le rôle de ce vêtement, c'est de vous couper principalement du vent et de la pluie. Alors aujourd'hui, moi, j'ai choisi une veste qui est assez technique, qui est la veste Vinson, qu'on pourra utiliser aussi bien en randonnée qu'en alpinisme. Hop. Et donc, chez nous, vous allez trouver différents types de membranes à l'intérieur de ce vêtement, puisque les troisièmes couches, on va emprisonner une membrane entre deux couches textiles et elles sont plus ou moins performantes. Là, sur cette veste-là, j'ai une membrane qu'on appelle 20 000-80 000, étanche à une colonne de 20 mètres d'eau, mais qui reste très respirante. C'est le deuxième chiffre, hein, le 80 000. Plus le chiffre est élevé, plus la membrane est respirante. Sinon, chez nous, vous allez pouvoir trouver d'autres membranes, comme nos membranes Hardshell, qui seront un petit peu moins performantes, mais également aussi un petit peu moins chères. Voilà. Donc, cette technique des trois couches, vous pouvez l'appliquer sur toutes les parties du corps, que ce soit sur les jambes, avec pourquoi pas un sous-vêtement thermique, ensuite un pantalon chaud, et pourquoi pas un surpantalon imperméable. Sur le haut du corps, on vient de le voir, vous pouvez le faire au niveau des mains, vous pouvez le faire au niveau de la tête. Voilà, technique des trois couches, c'est vraiment la technique qui est appliquée, utilisée dans toutes les disciplines de l'outdoor, que ce soit la randonnée, le trail, l'alpinisme, etc. Et c'est vraiment une technique performante pour ne pas avoir froid en montagne. Pour remplacer ces deuxième et troisième couches, on peut également trouver des vêtements qui sont plus polyvalents. Je vous en ai amené un. C'est une veste qu'on va appeler une veste softshell. Alors softshell, c'est un procédé textile qui va consister à empiler trois couches en une. Une couche chaude à l'intérieur du vêtement, là de la micropolaire. Une membrane, à l'intérieur nous de nos softshells, c'est une membrane 10 000-10 000, donc une membrane qui est intéressante, mais moins performante que celle que j'ai sur ma troisième couche. Et après à l'extérieur, une couche textile qui va être déperlante, qui va être résistante aussi, qui va résister à l'abrasion, puisque bien souvent on va porter son sac à dos. Et donc l'avantage de ces vêtements et de ces vestes, c'est qu'elles sont très polyvalentes. Par contre, le principal inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas imperméables. Voilà, ce n'est pas un vêtement imperméable, notamment parce que les coutures ne sont pas étanchéifiées et de l'eau va pouvoir, si on prend une grosse pluie, pénétrer par les coutures dans le vêtement. Voilà. Ce que je vous propose pour terminer, c'est parler du sac à dos et de son contenu. C'est vrai que le sac à dos du randonneur, c'est l'élément aussi indispensable qui va nous permettre d'emmener tout ce dont on a besoin en balade, que ce soit son pique-nique, son matériel indispensable, etc. Alors, au niveau du sac à dos, moi, ce que je vais vous conseiller, si vous avez l'habitude de partir en balade à la journée, c'est d'avoir un sac à dos qui va faire entre 20 et 30 litres, mais surtout qui va être fonctionnel avec plein de rangements et plein de poches, parce qu'on aime bien cloisonner et compartimenter son sac pour pouvoir isoler les différentes choses. On regardera ce qu'on trouve à l'intérieur ensuite. Et par contre, si vous partez en randonnée de plusieurs jours, il va falloir choisir des litrages qui sont plus importants et aller bien souvent au-delà des 40 litres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans notre sac à dos ? Alors, si on part la journée, moi, je vous ai mis quelques éléments qui me paraissent indispensables. Alors, en premier lieu, le matériel de randonnée pour pouvoir se retrouver, la carte IGN, et puis pourquoi pas du matériel d'orientation, un GPS de randonnée ou alors une boussole si on sait s'en servir.
comme moi, si vous êtes amateur de l'observation en pleine nature, et notamment de la faune sauvage, si vous allez dans des coins qui sont intéressants de ce point de vue-là, une petite paire de jumelles. Voilà. Ensuite, ça dépend si on part à la demi-journée ou à la journée, mais de l'eau. Toujours indispensable d'avoir au moins un litre d'eau par personne. Un petit encas en cas de fringale. Et puis si vous partez à la journée, votre pique-nique. Ensuite, le nécessaire pour les premiers secours, et notamment, c'est vraiment indispensable en montagne, même en balade, hein, c'est, je ne vais pas vous montrer tout le contenu de la trousse de secours, mais au moins une couverture de survie, voilà, non négligeable. Je referme ça. Et puis ensuite, pourquoi pas, une paire de bâtons. Voilà. Alors si on parle des bâtons, on va pouvoir trouver différents types de bâtons. Donc là, ça dépend les usages que vous avez. Moi, bien souvent, je choisis des bâtons qui vont être extrêmement compacts. Comme aujourd'hui, là, c'est le bâton distance carbone. C'est un bâton 5 brins. Le gros avantage, c'est qu'il est extrêmement compactable. Il fait seulement une petite trentaine de centimètres. Donc, je peux le ranger facilement dans mon sac quand je n'ai pas besoin des bâtons. Il est en carbone, donc il est extrêmement léger. Le principal inconvénient de ces bâtons qui ont beaucoup de brins, c'est qu'on va perdre un petit peu en rigidité du bâton. Et vous allez pouvoir trouver des bâtons, alors soit monobrins, soit comme celui-ci, bibrins. Le gros avantage, c'est qu'ils vont être plus rigides, donc ils vont avoir un meilleur rendu de l'énergie. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils sont plus encombrants. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de mon sac à dos. On pourrait avoir d'autres éléments en fonction de ce qu'on va faire au cours de la journée, au cours de la balade. Mais ça me semble, pour moi, les éléments indispensables pour partir en balade. Voilà, on a fait le tour du matériel indispensable pour le randonneur. Sachez que vous pouvez trouver tous les éléments dont je vous ai parlé sur notre site internet, le site www.simal.fr. Vous pouvez vous équiper de la tête aux pieds pour partir en balade. La dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est une fois qu'on est équipé, où est-ce qu'on part se promener. Là, vous allez pouvoir trouver différents supports pour partir en balade, soit des cartes, des topo-guides. Alors, de plus en plus aussi, vous allez pouvoir trouver des applications en ligne ou des itinéraires directement sur les sites internet. Moi, je vous conseille l'application et le site de notre partenaire qui s'appelle Viso Rando. Vous allez pouvoir choisir des itinéraires partout en France en fonction de justement soit de la destination, soit de la difficulté, soit des lieux que vous voulez voir. Et ensuite de pouvoir embarquer l'itinéraire sur votre smartphone et vous balader en toute sécurité. Donc ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est tout simplement de vous adjoindre les services d'un professionnel d'encadrement, comme moi, je vous le disais, je suis accompagnateur en montagne. De pouvoir de temps en temps profiter d'une sortie encadrée par un professionnel qui saura vous parler de l'environnement, de la culture, du lieu dans lequel vous êtes, qui pourra vous initier à des types de marches précises, qui pourra vous emmener dans des endroits peut-être un petit peu plus périlleux où vous ne seriez pas allé en autonomie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous adjoindre les services d'un professionnel et puis surtout à profiter de l'environnement. On a en France des coins qui sont exceptionnels un petit peu partout sur nos territoires. Donc n'hésitez pas à vous promener et à profiter de cet environnement qui est exceptionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'équipement ou que ce soit sur la pratique de la randonnée, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, si un jour vous venez sur le massif du Pilat, c'est le massif moi où j'encadre, je serai ravi de partager un moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Salut !